Tension à l'est de la République démocratique du Congo. 7 personnes, dont un casque bleu, un policier congolais et 5 rebelles ont trouvé la mort pendant les combats à Butembo ce lundi dans le Nord Kivu. Bilan confirmé par le porte-parole de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'attaque menée par une milice Maïmaï présumée visait notamment la prison de cette ville de l'est de la RDC. Ce groupe armé opère depuis quelque temps dans cette localité. Ces violences surviennent à quelques heures de la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila, conformément à la constitution de la RDC. Mais une fin de règne qui sème le doute sur l'avenir du pays, l'opposition soupçonne en effet le président sortant de vouloir s'accrocher au pouvoir.